Salut, salut mes intellos. Je suis très ravi d'être à vous aujourd'hui pour partager ce nouveau cas pratique. Alors aujourd'hui, nous allons voir les agents économiques. Exercice 1. Monsieur le joueur pro gagne mensuellement 200 000 comme salaire. Il repartit sa dépense qui représente 80% de ce qu'il gagne comme suit. Habillement 12%, alimentation 20%, logement 10%, transport 10%. Et le reste est consacré à la santé et aux loisirs. Travail à faire. Présenter le budget de Monsieur Joël Pro. Déterminer le revenu épargné. Déterminer le coefficient budgétaire de chaque dépense. Alors, comme solution, nous pouvons avoir petit 1. Présentons le budget de Monsieur Joël Pro. Alors, nous avons ici les éléments revenu, dépenses et cas. Montant 200 000 comme revenu. On a habillement, alimentation, logement, transport, santé et loisirs. Alors, il faudrait d'abord qu'on essaie de déterminer quel est le montant total qu'il dépense. Alors, on va faire le revenu qui était de 200 000 multiplié par 80%, ce qui va nous donner 160 000. Et partir donc de ces 160 000, on va donc tirer le montant qu'il dépense pour chaque poste de dépenses. Alors, on a bien dit pour habillement, il dépense 12%, alimentation 20%, logement 10%, transport 10% et le reste 48%. Donc, on va faire les 160 000 de dépenses totales multipliées par 12. Pour habillement, on va trouver 19 200. On va faire pour alimentation, on va faire 160 000 multiplié par 20%, ça va nous donner 32 000. Pour logement, on fera 160 000 fois 10%, ce qui donne 16 000. Pour transport, on va faire 160 000 multiplié par 10%, ce qui va donner 16 000 également. Pour santé et loisirs, on va faire 160 000 fois 48%, ça va nous donner 76 800. Et on voit très bien que si nous sommes habillement plus alimentation, plus logement, plus transport, plus santé et loisirs, ça va nous donner les 160 000 qu'il dépense pour chaque mois. En petit 2, on nous a demandé comme ça de déterminer le revenu épargné. Alors, on sait que le revenu est égal à la consommation plus épargne. D'où l'épargne sera égale au revenu moins la consommation. Et on va faire, on sait que son revenu c'est 200 000 et il dépense 160 000. Donc le revenu épargné sera de 40 000 francs chaque mois. Ensuite maintenant, en petit 3, on nous demande de calculer le coefficient budgétaire, c'est-à-dire K. Alors, c'est que K est égal à la dépense d'un poste divisé par les dépenses totales. Alors, pour habillement, on fera son montant qui est de 19 200 divisé par la dépense totale qui est 160 000, ce qui va nous donner 0,12. Alors, si on revient ici, vous trouvez pour les autres, pour alimentation, on va faire 32 000 divisé par 160 000, ça va nous donner 0,2. Pour logement, on va faire 16 000 divisé par 160 000, ça va donner 0,1. Pour transport, 16 000 divisé par 160 000, ça va donner 0,1. Pour santé et loisirs, on fera 176 800 divisé par 160 000, ça va donner 0,48. Et on va terminer que la somme nous donne 1. Donc les amis, nous avons terminé comme ça avec notre cas sur les agents économiques. À nous revoir une prochaine fois pour un prochain article. Que Dieu vous bénisse.